Salut les gars, je suis Tanguy Yedonou et nous allons apprendre ensemble les bases de l'algorithme. Il est vrai que l'algorithme est quand même une notion importante et intéressante à connaître par tous nos développeurs. Et il faut même remarquer que plusieurs programmeurs considèrent même l'algorithme comme étant la base de la programmation. Et donc, un programmeur, par défaut, est d'abord un individu qui, généralement, est considéré comme une personne qui aime résoudre des problèmes. Et donc, pour pouvoir résoudre quand même les problèmes, il est quand même très, très important de pouvoir expliciter un peu l'énoncé. Parce que quand arrive à bien expliquer l'énoncé, on enlève toutes sortes d'ambiguïtés. Et une fois qu'on est en mesure maintenant de pouvoir avoir notre énoncé de façon très explicite, nous pourrions maintenant beaucoup plus le traduire, pour ne pas dire le transcrire en algorithme. Et donc nous ensemble maintenant, nous on va beaucoup plus voir un peu l'importance d'apprendre l'algorithme, surtout pour les nouveaux développeurs, les nouveaux codeurs. Et ça va beaucoup plus leur permettre de pouvoir traduire tout ce qu'ils auront écrit en algorithme maintenant dans n'importe quel langage de programmation. Et surtout pour un débutant qui maîtrise l'algorithme, ça lui permet surtout de développer également le sens de la logique dans la résolution d'un problème. Et ça lui permet également de mieux comprendre la démarche de programmation à suivre. Et donc ensemble dans cette formation, nous allons donc découvrir ce que c'est qu'un algorithme. Nous allons ensuite présenter sa structure générale. Et nous allons aborder les premières notions quand même importantes d'un algorithme, telles que la structure conditionnelle, la structure à choix multiple et les boucles. Et donc vraiment à la fin de cette formation, que vous soyez un débutant ou même un novice, vous serez vraiment en mesure de savoir concrètement la bonne démarche à suivre pour pouvoir résoudre un problème. Parce que quand on parle de résoudre un problème, c'est quand même une suite d'opérations bien ordonnées qu'on suit pour pouvoir aboutir au résultat escompté. Et donc, nous allons découvrir ceci ensemble. Alors, les amis, nous voici un peu le contenu de notre vidéo d'introduction. Nous allons continuer dans une autre vidéo. Et cette fois-ci, nous allons beaucoup plus parler de la structure générale de l'algorithme.